Abonne-toi à Keytoons et amuse-toi pendant des heures. Tu passes beaucoup de temps avec ton humain? Moi aussi, j'aimerais faire comme toi. Oh! Maintenant, moi aussi, ça me gratte. Eh bien, moi aussi, j'aimerais passer mon temps à faire ma toilette à la maison, comme vous. C'est ça. J'ai une idée géniale pour un nouveau challenge influpette. Chaque groupe doit apprendre à vivre avec l'autre groupe. Très bonne idée. Si elle veut être une influpette et porter le look pierre précieuse, il va falloir qu'elle se mette à la place de l'autre. Les petites chiennes doivent se comporter comme des petites chattes et les petites chattes comme des petites chiennes. Celle d'entre elles qui imitera et comprendra le mieux l'autre groupe gagnera le beau rubis. Ouf! Tu vois, j'aboie déjà comme une petite chienne. Hello, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. Mets-toi à ma place. Les chats marchent comme ça, avec la queue en l'air. Je vais essayer. Attends. Ah! Ouch! Pourquoi vous vous servez de vos pattes pour vous gratter au lieu de vous frotter sur un lampadaire? C'est Peggy V. Regarde comment on les imite bien. Oh! C'est pas comme ça que les petites chiennes se comportent en fait. Je pense que vous devriez mieux vous renseigner. Eh, t'en dis quoi de notre look de félin? Je ne crois pas que c'est vraiment comme ça que sont les petites chattes. Il va probablement falloir que tu te renseignes un petit peu plus. Elle a raison. On n'a qu'à faire ça demain. Les vieilles pipettes, demain c'est mon anniversaire et on a aussi envie de fêter Noël. Vous êtes toutes invitées. Ouais, génial. Demain, j'ai aussi invité les petites chattes de Cat Town. C'est un jour important pour moi. Le problème, c'est qu'on a un challenge très difficile. Et on se sent un peu dépassé. On ne pourrait pas faire la fête après-demain. Ce sera encore Noël. Ouais. En fait, mon anniversaire est demain. Mais si vous êtes si débordé... Mais pourquoi si tôt? Si on veut gagner, il faut qu'on observe tout ce qu'elles font. Du lever jusqu'à l'heure du coucher. C'est trop tôt. Oh... C'est le meilleur endroit pour se coucher. Je ne suis pas encore une petite chienne. Alors comme ça, elles tourneront un petit peu avant de trouver le meilleur endroit. Mais des meilleurs endroits, il y en a partout. J'en ai marre. J'ai hâte qu'Esmeralda arrive. Elles adorent ça. Mais je me demande pourquoi elles n'attrapent pas leur queue. Ça n'a aucun sens. C'est trop facile. Sally, on est là. Enfin, super. On va aller enquêter. Je me demande où sont passées les petites chattes. Qu'est-ce qu'elles font là? Pourquoi elles reniflent partout? Je ne sais pas. Ça doit être un truc de petite chienne. Je crois qu'on est plus près qu'on l'imagine. Oh, où faites-vous? Vous êtes en train de nous espionner? Eh bien, juste un peu. Et vous alors? Nous? Ben, on était... D'accord, nous aussi, on était en train de vous espionner. Ce challenge est vraiment trop difficile. Et si on s'entraidait? Grâce au challenge, on commence à mieux se connaître maintenant. Et même si on est différente, on est aussi très semblables. On adore jouer, être chic, et on a toujours faim. Kitty a raison. Vous en pensez quoi, les filles? Ça vous dit de travailler ensemble? Oui! Qu'est-ce que tu veux dire par « je n'irai pas à l'anniversaire de Fabia » Ça lui faisait tellement plaisir. Où est ton esprit de Noël? Regarde-la. On a de la peine, Fabio, mais on est en plein nouveau challenge. C'est un des plus difficiles qu'on a jamais fait. Regardez-la. Vous savez quoi? J'ai très envie de gagner la pierre précieuse, mais je pense que Fabia a vraiment besoin de nous. Les filles, et si on lui faisait une fête surprise? Très bonne idée. Comme ça, on pourra finir le challenge à sa fête surprise. Waouh, oui! Elle va adorer! Je vais lui dire tout de suite! Non! N'oublie pas, c'est une surprise! Tu parlais avec qui, tonton? Personne, personne! Pourquoi tu es si gay? Moi? Non, pas du tout! Je dirais même que je suis un peu triste, tu vois? Eh ben, moi aussi! Pas pour longtemps! Qu'est-ce que tu as dit? Moi? Rien du tout! J'ai dit que tu devrais mettre les lumières de Noël! Quel anniversaire? Quoi?
Tu remues la queue quand t'es pas contente? Ben, nous, en fait, tu vois, c'est le contraire. C'est vrai? C'est marrant? Filles, regardez l'heure, c'est l'anniversaire de Fabien. On a failli oublier. C'est vraiment un super anniversaire, je suis crevée, je rentre à la maison. Attends une minute, ça te dirait de chanter une chanson de Noël? Non, c'est gentil. Fabien, joyeux anniversaire. Mais vous aviez dit que vous n'aviez pas le temps. On s'est rendu compte que tu comptes beaucoup pour nous. Les influpettes sont là. Bien sûr, on n'allait pas rater ça. C'est pas tous les jours qu'on fête son anniversaire en même temps que Noël. Hein? Qu'est-ce qu'elles font? On t'a observé et tu as gagné le challenge et de loin. Tu as écouté, compris et tu as été très respectueuse. Et surtout, tu t'es mise à la place de quelqu'un d'autre. Et Kitty, tu as compris avant tout le monde qu'un challenge, ça permet de mieux se connaître et de devenir tes amis. C'est pour moi? C'est vrai? Je pense que nous avons encore une tâche à exécuter, tonton. Allons-y! Andazine style. Waouh! La pierre brille de tous ses feux et les boucles de cheveux sont couleur néon, c'est sublime! Salut! Enfin, c'est le fait avec le gâteau! On dirait qu'elle commence enfin à s'entendre. I love VIP pets. Regarde, la voilà. On y va? Oh! Les filles, on a un nouveau défi. On doit organiser la fête annuelle des Influpets tout ensemble. Le Festival de la Pleine Lune. Elle a lieu chaque année à la Pleine Lune. Celle qui aura le plus d'esprit de groupe gagnera la pierre rose en forme de cœur. Et montera sur scène avec les Influpets. Miaou! Ouf! On commence par quoi? Eh bien, on pourrait... Et si on se partageait les tâches? Je pourrais être l'organisatrice. Je m'occuperai de tout organiser, du plus important au plus petit détail. Comme inviter tout le monde, par exemple. Je connais beaucoup de monde. Oh, moi aussi, je veux être responsable de l'organisation. Désolée, il n'y a qu'une organisatrice et je l'ai dit en premier. Allez les filles, on doit tout préparer. Je m'occupe des bracelets. Hello, nous sommes les chiens les plus cool et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous. Le Festival de la Pleine Lune. Tonton, je suis tombée sur les VIP Pets et ils m'ont donné 3 invitations pour le Festival de la Pleine Lune. Oh, formidable! Et qui amèneras-tu? Eh bien, j'ai un ticket pour mon ami, un ticket pour moi et... Un ticket pour ma sœur. Oh, génial! Je suis sûre que je recevrai mon invitation très bientôt. Ça avance très bien tout ça. Mais, Selena, je mettrai les lumières à un autre endroit et je déplacerai ces décorations dans le fond un tout petit peu vers la droite. Oh, tu imagines comment ce serait de gagner et de monter sur scène? Si je gagne, je danserai comme ça. Attends une seconde, Kitty. Continue à danser. J'adore cette chanson, Gwen. Comment s'appelle-t-elle? Je ne sais pas encore. Je viens de l'inventer en te regardant danser. Je dois juste écrire les paroles et elle sera terminée. La scène est très chouette, mais... Pourquoi il n'y a personne? C'est toi l'organisatrice. Tu n'étais pas censée envoyer les invitations. Oui, mais... Les filles, je dois vous avouer quelque chose. C'est juste que... Eh bien, je me suis trompée en envoyant les invitations et... J'en envoyais... aucune. Si tu n'avais pas insisté pour t'occuper de tout, on n'aurait pas oublié les invitations. Que va-t-on faire maintenant?
Oh! Oups! Je me suis trompée de touche. Les filles, comme vous voyez, tout le monde peut se tromper. Le plus important, c'est de rester positif. Je suis sûre que l'on va trouver une solution, comme on l'a toujours fait, ensemble. J'ai une idée. Et si on envoyait chacune des invitations à tous nos followers? C'est une idée géniale! Comme ça, tout le monde viendra! Tu ne t'es pas trompée, n'est-ce pas? Non, je ne me trompe jamais. Voyons si j'ai du réseau ici. Oh, j'y vais! Le festival de la pleine lune a déjà commencé. Le wifi ne doit pas marcher. C'est pas possible que je n'ai pas reçu d'invitation. Bah, c'est une fête comme une autre. Je suis allée à tellement de fêtes, je suis sûre que tu vas beaucoup t'amuser. Tu sais, tonton, je crois que tu as raison. Je m'amuserai bien, mais parce que... Au nom de toutes les boucles de l'univers, j'ai reçu des tas d'invitations. Je croyais qu'on m'avait oublié. Je me suis trompée. Hein? C'est pour moi? Je m'imagine pas aller au festival de la pleine lune sans le meilleur oncle et coiffeur du monde. Ah, ma chère nièce. Tout le monde est venu, regarde. Ah, c'est mieux comme ça, quelle ambiance. Vous avez vraiment travaillé en équipe et ça se voit. Surtout toi, Lady Gigi. Tu as persévéré, tu as cherché des solutions et tu as demandé de l'aide à tes amis. Cette pierre est pour toi. Waouh! Prépare-toi pour un super look. Court style. Ouais, tonton, c'est spectaculaire. C'est formidable. VIP Pets, VIP Pets. Bienvenue au festival de la pleine lune. Nous aimerions accueillir quelques amis très spéciaux. Les VIP Pets. Ces gemmes sont pour vous. Vous les avez bien mérités. Allez, oh, tout le monde sur scène. C'est pas si important que ça d'être un flipette de toute façon. Oui, tous ces défis sont épuisants. Je préfère être ton ami. Of anything, everything we want. We will get it cause we work hard for it. If we fall, we always get back up. We find the power in our hairstyle. Cause it's funny and there we believe in ourselves. Nothing will ever bring us down. Being friends is the best and I think can compare. Other in the toughest times, we are so lucky to share this friendship. When we are together, everything is better. We'll always be there for each other. Got the funny and air, we believe in ourselves. Nothing will ever bring us down. Being friends is the best, and nothing can compare. Où est mon gel extra fort, hein? Je suis sûre de l'avoir laissé à sa place. Tu ne l'aurais pas vu? Non, non, aucune idée, tonton. Je vais voir. Que fais-tu? Hé, hey, c'est les VIP Pets? On y va, tonton. Oh, regarde-la. Qu'est-ce qu'elle est marrante, Gwen. Et regarde celle-là de Lady Gigi et Mystery. Qui aurait dit qu'elles deviendraient de si bonnes amies? Tu as tout à fait raison. Elles ont une belle amitié. Encore plus soudées que mon gel extra fort.
plus puissant qu'un spray cosmique pour les cheveux. Plus soudé que... Tonton, et si on faisait une fête au salon? Une fête? Je ne crois pas. Je crois que tu voulais dire une super fête. Et encore mieux que ça, une super fête qui dure toute la nuit. Oh, une super fête de pyjama! Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP, rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. La coiffure filée à toi d'oser. Allô, VIP Pets. Les mystères de la fête de pyjama. Waouh, qu'est-ce que ça brille! Moi aussi, j'aimerais bien voir ma propre pierre précieuse. Une minute, hein? J'ai une idée. Vous avez essayé les smoothies de Juliette? Oui, ils sont délicieux. Ils ont beaucoup de succès. Waouh! Regarde, elles vont devenir inséparables. Je suis si contente que nous nous entendions bien au bout du compte. Moi aussi, les chiens et les chats pour toujours. De nuit VIP Pets, j'adore! Allez, Chiara, tu te débrouilles très bien! Oh, ça ne marche pas, on y va! Chiara! 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 Oh, bonjour! Salut! Ça a été une super fête, n'est-ce pas? Regarde ta coiffure! Je vais te la ranger! Aïe, j'ai mal partout! Pas étonnant. Hier, tu as tellement dansé et tu t'es beaucoup amusée. Allez, tu peux me montrer ta pierre précieuse? Oui, bien sûr, ma pierre précieuse, tiens-tu? Ah, oh, ma pierre précieuse, elle est plus là! T'inquiète pas, elle doit être là où tu t'es endormie ou elle est tombée à côté. Oh, non, elle est pas là! Oh, non! Qui est-ce qui crie comme ça? Mon gel pour les cheveux! Oh, oh. Les filles, Chiara a perdu sa pierre précieuse. Oh, non! Et mon ballon de... Tu l'as perdu aussi? Tonton, réveille-toi! On pense la même chose? Oui, je pense qu'il y a un voleur par ici. Oh, un voleur? Ma pierre précieuse! Attendez une seconde, mon oncle a des caméras de sécurité dans le salon. C'est vrai? Allons les regarder. Voyons voir, la fête s'est terminée vers cette heure-là. Regarde, Chiara, ça c'est toi et ta pierre précieuse. Eh bien, je ne vois rien d'étrange. Oh! Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est très gênant. J'ai l'impression que tu es somnambule. Une somnambule? On dirait oui. Quand tu dors, tu te lèves et tu fais des choses sans te réveiller. Et tu ne t'en rappelles plus. Je ne sais pas si tu es somnambule ou pas, mais en tout cas, tu es une grosse coquine. Attendez une seconde. Elle va où, là? Regardez, elle est revenue sur la pierre précieuse. Eh bien, au moins on a appris quelque chose maintenant. Mais on ne sait toujours pas où elle a mis la pierre précieuse. Et mon ballon. Et mon gel pour les cheveux. Je ne comprends pas, tout est arrivé parce que je me suis endormie. Eh bien, je ne dormirai plus jamais. Comme ça, je ne perdrai plus jamais rien. Ça fait combien de temps qu'elle ne dort pas? La pauvre. Oui, regarde-la, elle est sur le point de s'évanouir. Chiara, tu dois te reposer. Nous allons chercher ta pierre précieuse. Et mon ballon, alors? Oui, ton ballon aussi. Hors de question. Ça sera encore une catastrophe si je m'endors. Je vais aller au salon. Pour continuer à chercher. Elle est où? Chiara va se rendre dingue à force de chercher. On doit faire quelque chose. Une seconde. Chiara, je peux te raconter quelque chose? Oui, vas-y. Il faut pas que j'arrête de marcher, sinon je vais m'endormir. Mais je t'écoute. Tu vois, il y a des années, un jour, quand Fabio coiffait les influpettes, Casey s'est rendu compte que j'étais très énervée. J'avais un examen et j'arrivais pas à me calmer. Casey m'a donné un cadeau très spécial pour m'aider à me calmer. Ça m'a beaucoup aidée, le fait même de le regarder. Ça détend beaucoup. Je suis sûre que ça va t'aider à mieux dormir et ne pas faire des trucs bizarres pendant que tu rêves. Cette pierre s'appelle la cornaline de la tranquillité. Tu crois vraiment? Elle est très belle.
Mais bien sûr, fais-moi confiance. Cornelian style. Regarde-toi, Chiara. Tu es superbe. Oui, je suis très mignonne. Ce reflet est très calmant. Maintenant, on va l'observer. On va la suivre et voir où elle va. Elle est où? Oh, elle est là-bas. Très bien, allons-y. Oh, oh, la pierre précieuse. Et mon ballon. Et mon gel pour les cheveux. Oh, et mon fer à cheveux. Ça fait des mois que je ne le trouvais plus. C'est pour vous. Vous aussi, vous méritez ce reflet. Merci, Chiara. Attendez une minute. C'est la pierre précieuse. Je vous l'ai donnée pendant mon sommeil. Mais oui, oui. Bah, si tu la veux, on peut te la rendre. Mais on était si contentes. Aucun problème. Je suis ravie de vous l'avoir donnée. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai enfin compris que je fais aussi des bonnes choses pendant mon sommeil. Oh, maintenant, je vais pouvoir dormir. Elle est à moi. Non, à moi. Salut les fans des rubans et des nœuds, nous sommes les Beaux Power. Nous venons d'arriver à Glam City et nous adorons la bonne ambiance qu'il y a ici. Oui, et surtout les différents styles et toutes les coiffures qu'on voit par ici. Vous pourriez me recommander un salon de coiffure où on fait des nœuds? On a vraiment hâte de se plonger dans la culture de Glam City. Qui osera se mesurer à notre rythme? Hello, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. On danse? Il a beaucoup plu hier soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elles sont chics! J'adore ces nœuds. Enfin, on danse mieux quand même. Ball Power? Cat Power! Allez, Kitty, tu es une championne. Montre-nous ce que tu peux faire. Mais il faut faire attention aux flaques. Hé, hey, les Ball Powers! On dirait que non seulement on arrive à vous suivre, mais en plus, on peut vous battre. Vas-y, dis-leur! C'est exactement ça. Nati et Kim nous ont répondu. Vous pouvez nous battre? C'est ce qu'on va voir. On se retrouve tout à l'heure au skatepark? Dites oui, dites oui. Oui, c'est d'accord. Soyez prêtes parce que le vrai pouvoir, c'est nous qui l'avons. Elles finiront avec leur coussinet complètement usé. J'adore comment tu bouges, Kitty. Salut les filles, qu'est-ce que vous faites? Attention, Maya, ralentis. Non, 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 non. Tu vas bien? Oh, Kitty, tu es complètement trempée. J'espère que tu ne vas pas tomber malade. Ne t'inquiète pas, je vais bien. On continue la répétition. Atchoum! Je crois que je suis en train de tomber malade. Il vaut mieux que je reste au lit. Atchoum! Quelques jours. Prends soin de toi, Kitty. Il va falloir qu'on annule le concours de danse maintenant. Les voilà en personne. Les chats qui affronteront les Ball Power. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui s'est affronté à une célébrité. Bonne chance. Il faut que vous gagniez pour faire honneur à Glam City. Eh bien, en fait... Elles vont gagner, c'est sûr. Ce sont les meilleurs. Aucun doute là-dessus. Génial. Vous nous dédicacerez la victoire. Pas de problème. Je vous apprendrai à danser mieux que les filles Ball Power. Enfin, on n'a pas besoin d'air chaud. Paraît que ça absorbe l'eau et que ça nettoie les cheveux et les fait briller. Mais ça vient aussi avec une calculatrice? Où est le manuel? Bah, je n'ai pas besoin d'un manuel. Tu vas voir. Waouh! Oh! Attention! Mes rouleaux! Comment on arrête ça? À l'aide! Aïe! C'est très puissant. Mais c'est quoi ça? J'ai déjà vu des hiéroglyphes plus faciles à lire. Ok. Tenez bon, tenez bon. C'est trop dur. J'ai failli arriver, mais tu m'as poussée. Voyons, essayez ça maintenant. C'est quoi ce pas de danse? Il faut qu'on fasse plutôt un style de danse de rue si on veut gagner. Comme ça? Hors de question. Le style Ball Power, c'est comme ça. Même pas en rêve, c'est comme ça. Non, non, non. Regardez-moi. Les filles, arrêtez de vous disputer. Je suis sûre que les filles Ball Power sont en train de répéter. Et en plus, si Kitty est malade, elle ne pourra pas venir avec nous.
ses nœuds sont assortis à la couleur de tes yeux. J'ai entendu dire que le salon de coiffure de Fabio et Fabia était le meilleur. Je vais me faire faire un nouveau look pour notre concours de danse. Des lunettes, un livre, un éclair et un oiseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu lis un livre, tu seras touché par un éclair. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi, c'est bien un salon de coiffure ici? Oui, oui, bien sûr. Entre, entre. Regardez, nous avons une nouvelle cliente. Salut, tu es avec les beaux powers, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Natty. Nice to meet you. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est comme ça qu'on dit enchantée en anglais. On est ravis de te rencontrer. On est les VIP Pets. Les VIP Pets? Vous avez quelque chose à voir avec les chats qui nous ont mis au défi? Oui, ce sont nos amis. Mais si elles vous ont mis au défi, c'est qu'elles vous admirent beaucoup, tu sais. Oh, ces petits chats sont assez téméraires. Et ils ont un grand cœur. Quel genre de look aimerais-tu? J'ai envie de quelque chose de pas trop strict, improvisé, qui mélange des styles et ma passion pour les nœuds. Tu piges? Ok, c'est bien! Style. Les nœuds sont très beaux. J'adore ce que vous avez fait. Waouh, c'est sublime. Je crois que c'est ton meilleur look. Ta plus belle coiffure. Fabio, tu es très très doué. Oh, Natty. Je suis allée dans des salons de coiffure dans le monde entier. Et celui-là est l'un des trois meilleurs. Si ce n'est le meilleur. Eh bien, puisque tu en parles... Dans le monde entier? Tu pourrais nous traduire ça, s'il te plaît? C'est de la TechPet. C'est un langage de symboles digitaux. Voyons, je m'y connais un peu. Les lunettes, ça veut dire qu'on doit lire quelque chose. Le livre, ça doit être le manuel. L'éclair représente la puissance. Et l'oiseau, l'envol. Mais comment tu sais tout ça? Littéralement, ça veut dire ne pas utiliser avant d'avoir lu le manuel. C'est si puissant que ça pourrait s'envoler. Waouh, elles sont très impressionnantes en personne. Oh, je sais pas si on y arrivera. Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Les filles! Vous allez y arriver. Vous êtes les meilleures. Allez-y, les filles. Que la fête commence! C'est une prémonition. On va se faire battre à pleine couture. Qui commence? Moi, non? Ah, non, non, j'y vais. Mes mouvements sont plus cool. Mais que font-elles? J'ai entendu parler d'elles au salon de coiffure. Il paraît qu'elles sont très cool. Les pauvres, elles ne s'en sortent pas très bien. Oh, si seulement Kitty était là. On aurait des chances de gagner. Hey! Oh! Où sont les filles Cat Power? Kitty! Elle s'est guérie juste à temps. Achou! Je me sens déjà un petit peu mieux. Quoi? Vous croyez que je vous laisserai tomber? Waouh! Elle est venue nous aider! Qu'est-ce que tu danses bien? Regarde ce pas! C'est la liberté! Elle leur montre des mouvements? Bien sûr! On partage toujours ce qu'on sait. Oh. Nous, on s'est affrontés les unes contre les autres. C'est parti, les amis! Waouh, les chants ont vraiment beaucoup de rythme. Le beau power, c'est vivre le moment présent et partager avec les amis. C'est génial d'improviser ensemble. C'est ça. Montrez-nous comment vous êtes, votre culture et ces mèches néons si urbains. Elles sont divines. J'adore. Allez, les beaux power. J'adore, Kim. Le ballon est superbe. Génial, je vais l'essayer. C'est très dur. Moi aussi, je vais essayer. Quand on regarde Kim, ça a l'air très facile. Comme dans le challenge où elle est devenue célèbre. Elle a fait un super pas comme si elle marchait dans l'air. Ah, tu veux dire celui-là, c'est ça? Ouais, celui-là. Tu penses la même chose que moi? Et si on faisait un challenge? Pour Tic-Tac-Dog, on serait des beaux powers comme Kim. Il faut qu'on le fasse. Hello, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Alors VIP Pets. Beaux power. Il est super ce style nœud. Je me demande comment elle trouve des idées aussi originales. C'est très mignon, mais
C'est pas compliqué de gonfler des ballons, n'est-ce pas, Fabia? Mais c'est pas tout. Quand elle le fait, c'est super cool, tonton. 1 milliard de clics! C'est tout à fait exagéré. Elle ne fait que gonfler des ballons. Moi aussi, je peux le faire. Je parie que je peux le faire plus vite et mieux que toi. T'es partant? Bien sûr! J'accepte le challenge. Si on pose 2 doigts comme ça, on peut dessiner 1 œuf, vous voyez? Oh, c'est très beau, Power! Et pour la touche finale, on rajoute des paillettes et on passe le sèche-cheveux pour enlever le surplus. Il y avait un peu trop de paillettes. C'est pas grave, on va réessayer. Un peu plus rond. Super. Maintenant, la touche finale du nœud. Comme ci, comme ça, comme ça. On dirait plus un chignon qu'un nœud. T'as qu'à essayer. Tu y arriveras peut-être mieux, toi. Je vous donne un petit truc. Si quelque chose s'en mêle dans vos cheveux, prenez une petite brosse pour l'enlever. Tirez doucement sur le nœud. Doucement. Ça marchait tout à l'heure. La meilleure chose à faire, c'est de demander de l'aide à Lily. Oups. Oh. Attends, Maya, je vois dans l'avenir. Il faut qu'on coupe. Quoi? Non! Elles sont super. Elles s'entraident toujours. Je crois qu'elles commencent à comprendre l'esprit Bow Power. Tu nous filmes pour te moquer de nous? Pardon? Non, on essayait juste... Ouais, c'est ça. Mais les filles, je vous assure... Je me moquais pas d'elles, je voulais juste les aider. C'est clair qu'elles ne comprennent toujours pas le vrai sens du Bow Power. On n'a qu'à leur expliquer, Kim. Mais avant, il faut que tu te recoiffes. Ça n'a pas été aussi facile que ça, mais comment tu as fait? Salut Fabio et Fabia, je vous présente mon ami Kim. Salut. Salut Kim, on essaye de faire ton challenge. Mais ta coiffure avait l'air mieux sur internet. Oh tonton, c'est pour ça que je suis là, j'ai besoin d'un nouveau look, je veux un total look Bow Power. Le look Bow Power arrive. Waouh, ce look est superbe. Ça te va super bien. Les VIP Pets vont adorer ton look. Je ne comprends pas. On était assez connectés. Le Bow Power, c'est trop compliqué. Oh, waouh. Il est super ce look. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes là. Vous vous êtes moqué de nous. C'est pas vrai. Je vais vous montrer ce que j'étais en train d'enregistrer pour que vous compreniez. Vous essayez d'être Bow Power. Mais vous l'êtes déjà. Puisque vous vous entraidez. Vous devez simplement avoir plus confiance en vous. C'est comme ça qu'on a commencé. Si je ne l'avais pas aidée avec sa choré, elle ne serait pas devenue célèbre. Vous n'étiez pas au courant? On va vous montrer. Sympa! Cool! C'est gentil de partager ça avec nous. L'idée, c'est de partager. Longue vie au Bow Power! Oui! Allez, allons à la plage pour de nouveaux challenges. Je suis très en forme. Personne ne peut te battre, tonton. Les VIP Pets vont faire un challenge à la plage. Allons-y. En route. Vous êtes prêtes pour le défi Bow Power? Oui.
Maintenant, vous voyez ce que l'on peut faire avec le Beau Power. On doit s'entraider. Ouais. On est des Beau Power. I love VIP Pets. Ça ne pourrait pas être plus... relaxant que ça. Waouh, c'est quoi ça? Des pierres précieuses. C'est la nouvelle mode. Des influpets. Hé, hey, c'est Peggy V. C'est la plus grande de tous les influpets sur Terre. J'adorerais être une influpette comme elle. J'adore son style. Et ce look pierre précieuse est super cool. Allons voir Fabio et Fabia. Je suis sûre qu'ils sont au courant de cette nouvelle mode. Oui, mais sans stress. En mode relax. Hello, nous sommes les chiens les plus cool et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous, VIP Pets. Tous ensemble, nous sommes inséparables. Bien stylé, à toi d'oser. Hello, VIP Pets. La mode des Glam Gems est arrivée. J'ai raté mon examen. J'ai eu un 8, c'est tout. Un 8, c'est un B, c'est très bien. L'examen de moto a plus de 20 questions. Et elles sont presque toutes sur la mécanique. Comment vérifier le niveau d'huile? Ça me fait penser qu'on doit vérifier l'huile du salon mobile. Oh, tonton, arrête, je t'en prie. Excuse-moi, je suis assez stressée parce qu'elle arrive d'une minute à l'autre. Ah, je te promets que je ne dirai plus rien. Coucou, c'est moi, Fabio. Peggy V, enfin. Ouais. Tu n'as pas changé du tout depuis que tu avais fait le look de Queen Pet. Et tu es toujours aussi sublime. J'adore ton look, Peggy V. C'est une vraie œuvre d'art. Je sais, c'est... juste précieux, non? Juste précieux. Je suis ta fan numéro un. On pourrait le copier, n'est-ce pas, Fabia? Oh non. C'est trop tentant, tonton Fabio. Je vais aller réviser dans le salon mobile. Waouh, c'est Peggy V en chair et en os. Alors Peggy, je te présente Nila, Juliette, Gwen, Lady Gigi et Maya, les VIP Pets. Salut les VIP Pets, ravie de vous rencontrer. Ravie de te rencontrer. Qu'est-ce que vous pensez de mon look? C'est fait avec une pierre de Célestine sublime. J'adore. J'en veux une. Comment on fait? C'est comment d'être une VIP Pets? Comment on commence une mode? Les VIP Pets en mode relax, s'il vous plaît. Ce sont tous tes followers? Pourquoi tu envoies autant de messages? Parce que j'ai une soirée très importante en banlieue dans 10 minutes et 1 minute. Dans 10 minutes? Oh non, je suis en retard! Hein? En retard? Pas de problème! On va t'y conduire en salon mobile. Allons-y! Avant de partir, il faut prendre tout ce dont on a besoin. Des rouleaux, des peignes, de la couleur et de l'huile. De l'huile pour le salon mobile. Vite! Hop! Les filles! Ça, c'est de la couleur ou de l'huile? Ouh! Les VIP Pets? C'est sûrement de l'huile. Faut pas oublier de vérifier les niveaux d'huile avant de partir. Hein? Peggy V est en retard à sa soirée. Mais, j'avais pas fini de réviser la mécanique de mon examen. Oh, je descends. On n'a pas le temps. Ne t'inquiète pas, je t'expliquerai tout en chemin. Salut les pet followers, j'ai eu un petit problème, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour être à l'heure. Ne t'inquiète pas pour ton examen, pas de problème. Tu peux me demander ce que tu veux et admire la bonne conduite de ton oncle Fabio. Stop! Ah, le panneau stop exige qu'on s'arrête. Je le sais très bien. Pourquoi le salon mobile n'avance plus? Bah, le moteur fait un drôle de bruit. Mais pas du tout. Je vois ça. Salut les pet followers. Alors, le salon mobile est en panne. Il n'avance plus. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre qu'on peut le réparer ensemble en mode relax. Rien de spécial ici. Tu ne vois rien de bizarre ici non plus. C'est peut-être un problème du pot d'échappement? Eh bien, je ne vois rien de spécial. Accélère encore une fois, tonton. C'est comme s'il n'avait pas d'air. Trop fort, Nila. J'adore ton look. Le vert te va à merveille. Quoi? Comment? J'ai un œil vert? Un œil vert? C'est ça. Il y a de la teinture verte dans le moteur.
Mais comment c'est possible? Je croyais que c'était de l'huile. Pardon. Tonton, vas-y, accélère pour brûler la teinture. Encore, un petit peu plus. Allez, vas-y, c'est ça. Encore un peu. Ouais! Oh non! Oups, Nila. Je suis sûre que Fabio va pouvoir arranger ça. Mais Peggy, tu dois arriver à l'heure à ta soirée. Oui, mais... Procédons par ordre, Fabio. Tiens, Nila, ça c'est pour toi, pour nous tranquilliser et pour être une si bonne amie. Une pierre précieuse pour moi? Oh, c'est trop gentil. Maintenant, je me sens très détendue. Waouh! Je peux pas m'empêcher de la regarder, ses reflets m'éblouissent. Tu peux t'occuper de la coiffure si tu veux. Enfin, à moins que tu ne préfères réviser. Ah, au fait, j'ai eu 20 sur 20. J'ai bien révisé la mécanique grâce au salon mobile. J'ai eu mon examen. C'est super! On va essayer d'arriver à l'heure. Tu n'as qu'à la coiffer pendant que je conduis. Upright style. Tu es sublime, ravissante. J'ai une idée. Dis quelque chose à la caméra. Coucou, regardez mon nouveau look. Je suis une influpette. Désolée, Peggy V. Je ne connaissais pas bien le quartier. Du coup, on n'est pas arrivé à l'heure. C'est pas grave. Je vais informer mes followers. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu venir à la soirée. On a tout essayé. Mais grâce aux VIP Pets, on s'est bien amusés, n'est-ce pas? On dirait qu'ils ont adoré mon live de 2 heures. J'en avais jamais fait un aussi long ni aussi sympa avant. Merci les VIP Pets. Eh bien, rentrons à la maison. Attends une seconde. On est où, là? C'est trop mignon. Oh, qu'est-ce que c'est joli. C'est quoi ces lumières? J'ai l'impression qu'on m'observe. Ah oui, j'avais complètement oublié. On est... Précédemment. Hey, c'est Peggy V. Salut. J'adorerais être une influpette comme elle. Tiens, Nila, ça, c'est pour toi. Des gemstones. C'est la nouvelle mode. Des influpettes. Mais on est où, là? C'est quoi toutes ces lumières? J'ai l'impression qu'on m'observe. Ah oui, j'avais complètement oublié. On est... Waouh, donc c'est ça. Cat Town. Waouh, c'est magnifique. Il y a plein de couleurs néons. On se croirait en plein jour. Tu exagères à peine. On ferait mieux d'y aller, les filles. Mais on vient juste d'arriver. Venez, on va faire un tour. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée, à toi d'oser. Allô, VIP Pets. Bienvenue à Cat Town. C'est génial ici. Waouh! Ah, je ne vois plus rien. Fabien, tu es là? Hé, les VIP Pets, venez ici. J'adore cet endroit. L'allée des ramen. Des ramen. Je reviens tout de suite. On dirait... Salut, toi. Un chat. Tu te l'as fait faire où, ce look-là précieuse? C'est Peggy B qui te l'a fait? Ouais, c'est une super amie à nous. Un jour, nous aussi, on sera des influpettes comme elle. Votre amie? Ouais, c'est ça. Ces ramen étaient délicieux. Waouh, Peggy V, je suis ta fan numéro 1. Non, c'est moi ta fan numéro 1. Faut y aller. Tu vas où comme ça? C'est notre pierre précieuse. Elle est sur notre territoire. Elle est à Nila. C'est Peggy V qui lui a donné. Hé, c'est notre pierre. On la porte mieux. Vous savez, on est toujours aux premières loges. Hé, et nos coiffures, toutes pleines de couleurs. Être aimé et joyeux nous rend beaucoup plus fort. On a cette vie et on va prendre tous les risques.
pas de mieux. Vous allez sentir la magie de la coiffure. Et si on arrêtait de se disputer pour changer, on pourrait devenir amis et essayer de s'aider. On a l'air différentes mais pas autant on dirait. Ensemble on serait bien plus fort que vous le croyez. Ensemble on pourrait être les meilleurs. Hey! Vite, 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 on va vite, vite. J'ai une super idée. Vous voulez être des influpets et avoir votre propre gemstone? Va falloir la mériter. Celle qui devine l'accessoire que je mettrai à mon défilé de mode pourra gagner la première. Comment on peut le savoir? Pour être une influpet, tu dois anticiper les modes et laisser ta marque. Ces lunettes sont irremplaçables! Elles me permettent de voir la chevelure unique de chacune de mes clientes. Ne t'inquiète pas, on va les chercher ensemble. J'ai rien trouvé sur l'accessoire surprise. J'ai regardé partout sur Instapet. Salut les Jackipettes. On a besoin de votre aide pour trouver les lunettes de Fabio. Qu'est-ce que vous regardez, les filles? Je vous demande pardon, madame. Excusez-moi. Tonton, c'est pas une... Peggy V a insisté pour laisser sa marque. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? C'est trop dur. Tu pourrais nous donner un indice, s'il te plaît? Pour être une influpette, tu dois supporter la pression. Ah, c'est le poster! Peu importe ce que c'est, ça doit être là. Je ne vois rien du tout. C'est trop haut. T'es pas censé voir la nuit, toi? Kitty, montre-leur de quoi t'es capable. Oh! Allez, Kitty, je suis sûre que tu peux y arriver. Elles vont gagner. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous voulez qu'on fasse une tour en yoga? Allez, les filles, vous brûlez. Les influpettes n'abandonnent jamais. Les filles, je vais tomber. Non! Attention, attention! Ah! On a besoin de votre créativité et vous avez besoin de notre élasticité. Il faut qu'on travaille ensemble. Hors de question. Selena a raison. Vous proposez quoi? Faites attention, ça va pas être facile. T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde de fouiller dans les ordures. Des tas de fois. Allez, faut continuer à chercher. Non, ça ne sert à rien. J'en ai ras-le-bol. Allez les filles, montez. Je ne vois rien. Hein? Oh, c'est ça! C'est une couronne! L'accessoire secret est une couronne! Une couronne? Oh, je l'ai dit en premier! Non, c'est moi! La pierre précieuse est à moi! Selena, tu as réussi à faire collaborer tout le monde en équipe. La pierre est pour toi. Waouh, c'est trop gentil! Ah, on en a vu de toutes les couleurs, tous les deux. Tonton, regarde. C'est pas la peine, je ne vois rien du tout. Ah, merci, merci, merci beaucoup. Ah, c'est grâce à Selena. Merci, dis-moi de quoi tu as besoin, n'importe quoi. D'accord, tu pourrais me faire le look pierre précieuse? Moonstone Style. Oui, ça me va très bien comme look. Faisons une photo ensemble. Mes amis, vous n'en croirez pas vos oreilles. J'ai rencontré des petits chiens et chats qui ne s'entendaient pas du tout. Mais je suis sûre qu'elles finiront par être de très bonnes amies. Salut Peggy V, je m'appelle Aurore. Je viens d'arriver à Glam City et je ne connais encore personne. Tu pourrais me dire où je pourrais aller, s'il te plaît? Salut Aurore, je connais les VIP Pets parfaites qui pourront te montrer les meilleurs endroits de Glam City. Tu peux compter sur moi. Hein? Oh, c'est Peggy V.
Vous êtes prêtes pour le challenge d'aujourd'hui? Ouais! Trop cool! La personne qui trouvera les endroits les plus cool de Glam City gagnera le magnifique diamant. Waouh! Vous allez devoir résoudre les énigmes pour les trouver. Cette fois, la pierre précieuse est pour nous. D'abord, vous devez aller voir les pets les plus cools qui lancent des modes comme sur des roulettes. C'est là que vous trouverez Aurore. Elle vous guidera pendant tout le challenge afin que vous trouviez les meilleurs endroits de Glam City. Bonne chance! Des roulettes? Les pets les plus cools? Peut-être que c'est dans un parking? Non, je crois pas. J'y ai trouvé! Hello, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures! VIP Pets, VIP, rejoignez-nous, VIP Pets! Toujours ensemble, nous sommes inséparables! Coiffure stylée à toi d'oser! Alors, VIP Pets! Challenge accepté! Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu envie de changer la déco du salon de coiffure. Je crois que j'ai un peu exagéré, en fait. On se croirait à Noël! Je crois que j'ai une idée. Et si on décorait le salon avec un look super cool? Venez avec moi. Regardez, tout le monde en ville a le look pierre précieuse, sauf nous. Ma chère nièce, tu es brillante! Tu m'étouffes, tonton! Waouh! Sympa les pirouettes! J'ai envie de danser rien qu'en te regardant. C'est toi, Aurora? Ouf, 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 ouf! Salut, nous c'est Nila, Stella et Lady Gigi. Peggy V veut que tu nous accompagnes. On a besoin de résoudre des énigmes pour pouvoir gagner un merveilleux diamant. Enfin, nous c'est Selena, Mystery, Kitty et Electra. Vous voilà enfin toutes réunies. Comment elle le sait? Le challenge continue. Vous devez trouver l'endroit le plus étrange et animé de la ville pour qu'Aurore puisse s'amuser à Glam City. Aurore, quels sont tes passe-temps? Voyons voir, j'aime bien la gymnastique rythmique, le look pierre précieuse, la musique... C'est ça, je vais vous amener dans le meilleur magasin de musique de la ville. Il y a toujours du rythme et c'est très animé. Mais où ça? Je n'en connais aucun. Attendez! Gwen, on a besoin de ton aide. On a besoin de trouver un magasin de musique qui... Première épreuve terminée. On est là. Oh, oui, on est arrivés les dernières. Vous avez enfin trouvé le meilleur magasin de musique de Glam City. Mais comment elle le sait? Vous avez mérité un petit repos. Pour la prochaine épreuve, vous devez trouver l'endroit le plus relaxant de la ville. Trop facile, rien de mieux qu'un bon massage de crâne. Non, je préfère les chatouilles pour me détendre. Et moi, danser. Hey, un cours de yoga. Je sais où se trouve le spa le plus relaxant de toute Glam City. Non, ouais. Non, on dirait plutôt le look Halloween que le look Gemstones. Oh, j'ai un trou total de créativité. Ne t'inquiète pas, tonton. Je vais aller trouver de l'inspiration sur le terrain. Waouh, j'ai l'impression de flotter. C'est merveilleux. Félicitations, les VIP Pets. Maintenant que vous êtes toutes réunies... Mais enfin, comment elle sait où on est? Dernier indice du challenge. Vous devez trouver l'endroit le plus salé de Glam City. Vous y trouverez la pierre précieuse la plus grande de la ville. De là, on peut assister à un coucher de soleil extraordinaire. Il faut absolument qu'Aurore le voie. Si c'est salé, c'est que ça se mange. C'est peut-être les baraques à frites. Mais oui, il y a sûrement une pierre précieuse là-bas. Psst, suivez-nous. Hey, c'était notre idée. Attendez-moi, j'ai trouvé. Et si... Elles sont sublimes, ces photos. Elles m'inspirent. Allez, au boulot. Si la pierre précieuse est si grande, comment se fait-il qu'on ne la voit pas? T'inquiète, j'ai un instinct infaillible pour trouver les pierres précieuses. Oups, je ne vois aucune pierre précieuse. Ça ne marche pas. C'est sûr qu'elle n'est pas dans ce coin. Eh bien, si c'est si évident pour toi, pourquoi t'es venue? Attendez une minute. Et si on réfléchissait ensemble? Quelle est la chose la plus salée qui soit? Ça n'a pas vraiment de sens, mais la chose la plus salée, c'est la mer. Mais il n'y a pas de pierre précieuse dans la mer, non? Et si c'était une charade? Peut-être que ce n'est pas vraiment une pierre précieuse qu'il faut chercher. Ça va beaucoup trop loin, tout ça. J'ai trouvé! La plus grande pierre précieuse qui soit, c'est le soleil! Génial! On a trouvé la mer et le soleil, donc le meilleur endroit pour voir le coucher de soleil, c'est... La plage!
Incroyable! Vous avez résolu toutes les énigmes. Vous l'avez fait parce que vous avez réfléchi ensemble. Vous êtes une super équipe. Et tout ça grâce à toi, Aurore. Tu es l'invitée parfaite. Sans toi, ce challenge aurait été impossible. Ce diamant est pour toi. Waouh! Peggy V, comment savais-tu où nous étions à chaque fois? Un secret d'un flupette? Fabio, le look pierre précieuse est vraiment super. On a fait du travail d'équipe. Salut, waouh, c'est super. J'adore. Le salon est superbe avec le look pierre précieuse. Salut, je m'appelle Aurore. Je suis ravie de vous rencontrer. Ravie de te rencontrer, Aurore. Un diamant? J'adore. Tu pourrais me faire un look gemstone avec le diamant, s'il te plaît? Bien sûr. Merci, mes amis. Le plus beau dans tout ça, ça a été de vous rencontrer. On a une nouvelle amie. Eh bien, c'est plus notre amie que la vôtre. Qu'est-ce que tu racontes? On est super proches. Salut, Casey. Salut, Peggy V. Je cherche un endroit spécial pour faire une séance photo. Tu as une idée? Bien sûr. Cat-Town. C'est cool et très à la mode. En plus, je connais la meilleure photographe de la ville qui pourrait s'en occuper. Emerald, allons la voir à Cat-Town. Je vais la prévenir. Ouais, c'est génial. On se voit là-bas. Wow, très stylé. J'adore. Je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'il t'arrive, Emerald? Rien, c'est juste que... Dis-nous ce que tu penses réellement des photos. Je pense que les photos ne rendent pas très bien avec ce fond. Cat-Town est vraiment cool, mais il manque une petite touche spéciale. Une touche spéciale, hein? T'inquiète pas, je sais qui peut nous aider. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée. La séance photo la plus cool. Oh, c'est Peggy! Salut les filles! Regardez avec qui je suis en train de faire une séance photo à Cat-Town. Oh, c'est l'influpette Casey sur mon écran! Je l'adore! Casey aurait besoin que vous décoriez Cat-Town pour une séance photo de mode. Je vais vous présenter Emerald. Ce sera elle qui fera les photos. Coucou! Ravie de faire ta connaissance. La personne qui fera la plus belle photo dans Cat-Town gagnera une émeraude. Elle est magnifique, n'est-ce pas? On se revoit à Cat-Town. Un nouveau défi? Génial! Oh, pardon, je me suis distrait quand j'ai regardé dans la glace. Oh, je me rappelle quand je coiffais les mannequins pour les séances photos. Et souvent, j'étais aussi dans les photos parce que j'étais très douée pour poser. C'est vrai? Oui, je suis le meilleur des poseurs. Regarde. Bon, allez, tonton. Démarre le salon mobile et donne-moi ton téléphone. Fais voir les photos. Elles sont un peu ringardes, tonton. Tu devrais mettre ce filtre, regarde. Oh, j'adore! Je me vois très bien en train de poser avec le salon mobile. Ce serait une super pub. Oh, tonton, tu te dévis! Sache que j'ai une mission. Oh, et moi, j'en ai une autre pour toi. On est arrivé! Bienvenue! Casey, Emerald et moi-même vous attendions. Emerald? Moi, c'est Fabio. Je sais, je sais. On m'a vu dans des tas de magazines. Tu as vu mon salon mobile? Vous êtes prête pour décorer Cat-Town? Oui! Oui! Entrez! Vous avez jusqu'à ce soir pour transformer Cat-Town en décor parfait pour une séance photo. Est-ce que vous avez des idées, les filles? Emerald, c'est toi la photographe. Est-ce que tu as des idées? Je sais pas, on peut peut-être essayer de faire briller Cat-Town avec sa propre lumière. Avec sa propre lumière, comme une pierre précieuse? Très bonne idée, Emerald. On va se centrer sur le look pierre précieuse.
Ce look est notre spécialité, les filles. Hey, pas le droit de copier. C'est notre ville, c'est notre idée et le défi aussi. Oh! C'est ce qu'on verra. Oui, c'est ce qu'on va voir. Très bien, Fabia! Le salon mobile brille comme un sou neuf. Il rendra très bien pour la séance photo. Ça te dérangerait pas trop de m'aider? Ce serait sympa de ta part. Un filtre pierre précieuse? Charmant! Hey, qu'est-ce que vous faites? On s'est basé sur la mode pierre précieuse, n'est-ce pas, Emerald? Tu n'y connais rien. Le look pierre précieuse est basé sur la lumière et les reflets, exactement comme Captown, n'est-ce pas, Emerald? Je veux plus de lumière. Non, c'est mieux les autocollants. La mode pierre précieuse, c'est la couleur et le glamour, comme Glam City. C'est beaucoup mieux avec des lumières, n'est-ce pas, Emerald? Elle a déjà dit qu'elle aimait les autocollants. Des lumières. Des autocollants. Des lumières. Autocollants. Lumières. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est assez horrible. Je suis désolée, les filles. J'en étais sûre. Bye bye, les autocollants. Hors de question. Enlève les lumières. Ça va mal se terminer. Ça, c'est sûr et certain. Et si on mangeait? Lumière. Autocollant. Lumière. Autocollant. La séance est fichue. Tu en veux? Je crois que j'ai une idée, les filles. En fait, vous avez toutes raison. Quoi? C'est impossible. La meilleure solution, c'est de fusionner les deux styles. Regardez. Eh ben, finalement, vos autocollants ne sont pas si mal. Vos lumières non plus. C'est en travaillant en équipe qu'on obtient les meilleurs looks. Je suis tout à fait d'accord, Emerald. Mettons les lumières et les autocollants. C'est merveilleux. Waouh, que c'est joli. Vous vous êtes vraiment très bien débrouillée pour le décor de la séance photo. Ben, tout ça, c'est grâce à Emerald. Emerald, tu leur as appris à marier leur goût. C'est vital pour un influpette. La pierre précieuse est pour toi. Tu l'as bien mérité. Waouh! Oh, que c'est joli! On dirait un vrai filtre. Alors, vous êtes prête pour la séance photo? Allez, Emerald, viens nous rejoindre. Regarde ton modèle. Pas maintenant, tonton. On doit faire le look pierre précieuse à Emerald. Très bien, d'accord. Mais on continuera ma séance tout à l'heure, alors. Prête pour la séance photo? C'est toi la star du spectacle maintenant. La star? Et moi alors? Oh, j'ai une très bonne idée. Les filles, photo dans 10 secondes. Mon heure est venue. Oh, moi aussi je veux en faire partie. Allez, venez, joignez-vous à la séance. Attendez-moi! Oh, je ne suis pas dessus et mon salon mobile non plus. Je ne suis plus à la mode. Attends une minute, tonton. Tu es sur celle-là? Oui, c'est vrai. L'objectif m'adore. Il m'adore. Coucou, Casey. Je viens de t'envoyer une recette d'un super chef. Tu vas adorer. Des raviolis? C'est mon plat préféré. J'adore la page de cette recette, Glam. Je crois que tu viens de me donner une idée pour le prochain challenge. Allô, nous sommes les chiens les plus cool et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. Qu'il va y avoir un visiteur surprise. Oh! Et une surprise collante! Regarde, c'est la patte de Selena. Il me semble que c'est un très bon présage, tout ça. Oh. Je suis sûre que l'on va gagner la pierre précieuse. Ça sent très mauvais, tout ça. Des visiteurs?
Tu vois, Selena, Mystery avait raison. Elle a eu de la chance, c'est tout. Voilà mon tout nouveau gel pour décorer les coiffures. Et on peut faire des accessoires personnalisés avec. Vous allez être superbe. Mais on n'a pas encore fini avec les tests, tonton. On ne sait pas si... C'est ça la surprise collante? Voyons voir. Hey, c'est Peggy V. Vous êtes prêtes pour un délicieux défi? On se retrouve à cet endroit. Allons gagner cette pierre précieuse. Attendez, ne partez pas. Vous n'avez pas encore vu ma démonstration du gel. Bienvenue. Vous vous demandez peut-être ce que cette cuisinière fait ici? Eh bien, le défi d'aujourd'hui, c'est de la cuisine. Chaque groupe va devoir préparer les plats typiques de Cat Town et de Glam City. Et pour rendre le défi plus intéressant, les chats vont devoir préparer le plat typique de Glam City et les chiens, celui de Cat Town. Quoi? Oh non! Encore une chose, le dressage du plat est important. Vous devez faire en sorte que les followers foodies tombent amoureux de votre plat. Le meilleur plat sera le gagnant de la pierre précieuse. Le challenge commence maintenant! Je me demande comment est le plat de Glam City. Je me demande comment est le plat de Cat Town. Mystery, je suis sûre que tu connais les ingrédients. Du fromage épicé, du chou-fleur, des nuages. Tu es sûre que ce sont les ingrédients? Ouais, ouais, Mystery ne se trompe jamais. Allez, l'autre équipe a déjà commencé. Oh, il faut qu'on fasse quelque chose. Réfléchissons. Je sais. Regardons des images de Cat Town. Vous voyez, il y a des bâtonnets de poisson sur tous leurs postes. Génial, vous avez deviné le plat. Maintenant, vous devez trouver les ingrédients nécessaires et comment les préparer. Oh, les filles, ça sent un peu fort. Vous êtes sûres que le plat est comme ça? Eh ben, on n'a qu'à goûter et on verra. Oh, ça brûle! De l'eau, de l'eau! Oh, je crois que ma prédiction n'a pas marché. Mais t'avais dit qu'on gagnerait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va perdre. Tu dois trouver une solution, et vite. Sinon, on est sûr de pas gagner. Laissez-moi faire. Tu ne peux qu'admirer mon invention géniale. Ah, c'est un gel juste parfait. Je peux faire tous les accessoires que vous voulez pour vos cheveux avec. Regardez! C'est juste parfait, c'est clair, oui. De quels ingrédients a-t-on besoin? Il y avait du poisson dans leur story. Mais quel genre de poisson? Et comment on le cuisine? Fais appel à ton intuition, Stella. Que doit-on faire? Elles ont trouvé l'ingrédient principal. Très futé. Bon, allez, Stella, leur tourne. Il faut qu'on trouve comment préparer la recette, sinon on ne gagnera pas la pierre précieuse. Relax. On va perdre. Je suis désolée, mais je ne suis pas capable de vous aider. Ça ne sert à rien de mettre la pression, je sais pas tout. La pauvre, elle aussi, elle est dépassée. Ce n'est pas juste d'être traitée comme ça. Salut, Stella. Que fais-tu ici? Tu devrais être en train de cuisiner pour gagner la pierre précieuse. J'ai vu comment on te traitait. Moi aussi, on m'a mise sous pression pour découvrir la recette. C'est vrai? Je ne vois vraiment pas comment je peux t'aider. Tout ce que je sais, c'est ce qu'on aime. Oh, attends une seconde. Moi aussi, je sais ce qu'on aime à Cat Town. On n'a qu'à s'entraider avec les recettes. Qu'est-ce que tu en dis? Ce gel n'est pas fait pour mes mains. Je vais me concentrer sur ma créativité pour les coiffures et les coupes. On peut toujours l'utiliser pour la touche finale. Oh là là, quel désordre. D'accord. On a besoin de farine, d'un œuf, de poisson, de pommes de terre et d'huile. Passe-moi la viande, la tomate et les pâtes. On la reconnaît, là, ça fait plaisir à voir. Et je fais quoi avec les pommes de terre maintenant? Il faut les faire frire. Au fait, il faut égoutter les pâtes. Attendez, il manque la touche finale. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont en train de céder? Très bien, voyons voir. Alors, les deux plats sont délicieux et sont très bien dressés. Nous avons donc décidé que...
Vous êtes à égalité. Génial, la pierre précieuse est à nous. Quoi? Égalité? Les filles. Eh bien, en fait, c'est Mystery qui m'a suggéré de faire les plats ensemble. Oh, c'est gentil. Tu as aidé Stella alors que tu étais dans l'autre équipe et que tu aurais pu gagner. Ça, c'est avoir du goût. La pierre d'ambre est pour toi. Oh, c'est encore Mystery qui avait juste. Je ferai ce que je fais le mieux. Un super look. Tout à fait. C'est ça ton truc, tonton. Je sais. Merci, Fabien. Vos bâtonnets de poisson sont délicieux. Et vos pâtes glam aussi. J'ai l'impression qu'elles commencent à bien s'entendre. C'est le super festival de musique que nous organisons, nous, les Influpettes. Waouh, c'est trop cool! On va pouvoir participer? Eh bien, c'est comme vous voulez. Le festival aura lieu juste après Halloween. Vous devrez préparer une chorégraphie hantée. Mais d'abord, vous devez choisir une partenaire de danse. Je veux Maya! On gagnera, c'est sûr! Pas si vite, les filles. C'est vrai, vous devez trouver une partenaire de danse, mais dans l'autre groupe, une petite chienne et une petite chatte. Comment? Oui, nous pensons que le fait que les deux groupes travaillent ensemble sera très bon pour tout le monde. Et en plus, la personne qui dansera mieux que tout le monde tout en étant une coéquipière modèle gagnera la superbe améthyste. Waouh! On se voit à Cap Town. Hello, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Partenaire de danse. Tonton, c'est une catastrophe. Ça pourrait être pire, hein. Ok, très bien, c'est un peu le désordre. Un peu? Je ne retrouve plus rien. Voyons, où est le fer à friser? Ici. Tu vois, il faut qu'on organise tout ça. Oui, d'accord. Et si on le faisait par ordre alphabétique? Commençons par la lettre A. Par ordre alphabétique? Je pense que le mieux, c'est de garder à côté de nous ce qu'on utilise le plus souvent. Comme les ciseaux ou les peignes, par exemple, tonton. Commence par un A. Ananas, astuce. Fabia, tu veux bien m'aider? Qu'est-ce qui commence par un A? Oh, on va en avoir pour un moment. Vous êtes prête pour choisir une partenaire? Non, attendez, il nous faut un morceau avec un peu plus de rythme. Oh, ce n'est pas ça. On va s'en souvenir très longtemps de ce moment. C'est moi la première. Ma partenaire d'agiste est très vive et rapide. Oh non, je me suis fait mal à la patte. Je ne vais pas pouvoir danser. Ne t'inquiète pas, Electra. Tu vas vite te remettre sur patte. C'est formidable! Elle est vraiment bonne! Voire même trop bonne! Si on veut gagner la pierre précieuse, faut qu'on trouve d'autres partenaires! C'est trop dur! Allez, viens, Nila! Tu peux y arriver! Tu dois juste te détendre! Me détendre? Allez, vas-y! Respire profondément et sens la musique dans ton corps! Oh! C'est comme si j'ai volé! Elle vole? Moi, je veux danser avec Nila! Eh bien, j'ai l'impression que tout le monde a trouvé une partenaire sauf moi. Tu vois, la solution c'est de tout ranger par ordre alphabétique. On va continuer. Et maintenant, la lettre P. P pour patience, c'est ça dont j'ai besoin avec toi. Salut. Maya, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas en train de répéter ton numéro de danse? Personne ne m'a choisi comme partenaire. C'est sûrement parce que tu danses trop bien. Du coup, personne n'arrive à te suivre. J'avais oublié tout le désordre qu'il y a ici.
Et maintenant, on va faire la lettre Q. Qu'est-ce que vous faites? Mon oncle veut tout ranger par ordre alphabétique. Et moi, je veux ranger dans l'ordre où on utilise les ustensiles. Du coup, on n'avance pas très vite. J'ai une idée. Et si vous faisiez les deux à la fois? Dis-moi en plus. J'adore les mélanges. C'est les styles les plus à la mode et stylés. Vous devez simplement travailler en équipe pour ranger tous les ustensiles par ordre d'usage et par ordre alphabétique. Ah, c'est ça! C'est une idée fantastique, Maya. Hé! Je viens d'avoir une autre idée. Étant donné toute ton expérience, et si tu aidais les autres filles à se perfectionner? Ou si tu les aidais à se motiver, par exemple? Tu as prouvé que tu étais très bonne pour ça. Eh bien, peut-être. Peut-être? Mais c'est vrai! Allez, on y va! Allez, les filles, soyez un peu plus enthousiastes. Jusqu'au ciel. Kitty? Kitty! Tu ramasses le bateau et tu le lances! Regarde! Je vais pas aller chercher un bâton, je suis pas un chien, compris? Ah! Oups, encore une fois, c'est le mauvais bouton. Hein? Mais elle fait quoi en fait? D'accord, Nila, Kitty, vous vous mettez là. Selena et Aurora, là-bas. Vous devez danser à l'intérieur du rectangle. Vous ne pouvez pas danser chacune dans votre coin. Vous devez danser en duo. Vous devez faire les mêmes mouvements. Mais Nila ne veut pas sauter. Pas si haut, j'ai la tête qui tourne. Et si tu faisais des petits sauts? Super! J'en ai marre du bâton. Et si vous dansiez assez près comme ça, il ne tomberait pas? Si près que ça? Vous êtes ensemble. Très bien. Maintenant, faites ce mouvement toutes les deux au même moment. C'est un peu difficile, surtout avec un bâton. Vous devez juste vous détendre. Allez, essayez maintenant. C'est parti! C'est juste génial! Quelle équipe on fait? C'est magnifique! Ouais! Voyons voir. Par exemple, où sont les peignes? Les peignes sont là! Et les fers à friser? Eh bien, juste à côté des peignes! C'est beaucoup mieux, les filles! Vous faites du très beau travail! Formidable! On a vu que tu aidais tes amis. Peggy V et moi sommes très agréablement surprises par ton super travail comme coach de danse. C'est pour moi? Tu as mérité la pierre d'améthyste. Tu n'avais pas de partenaire et pourtant, tu les as toutes aidées. C'est toi la meilleure coéquipière. Oui, c'est vrai! Voyons si tu arrives à deviner celui-ci, avec un S. Soupe, saumon, sofa? J'ai trouvé! C'est la super pierre précieuse d'améthyste! Style. Ce look est aussi beau que ton cœur. Et maintenant, commençons le spectacle en direct d'Halloween. Ouais!